mon nom est Mike Romero. On est là pour un autre unboxing, un peu improvisé. C'est pas le même décor que d'habitude. C'est qu'on est vraiment en plein cœur de mettre tout en boîte pour le grand déménagement. On est sur les derniers jours que vous verrez le condo. Voilà, donc au moment où on se filme, on est à une dizaine de jours, peut-être 12 jours, une douzaine au maximum, avant qu'on soit vraiment complètement déménagé. On laisse les gros morceaux pour la fin, donc tout ce qui est le divan, le pouf ici, la télé, les lits, tout. On laisse pour le dernier jour, si je ne me trompe pas, c'est le 16 ou 17. Par contre, tout le reste, on essaie de le mettre en boîte et de l'amener à mesure avec nos autos. Donc, le lit, la table, où d'habitude je fais mon unboxing, est un champ de bataille. Donc, voilà. Je vais faire l'unboxing ici vite. Vraiment, c'est vraiment pour lancer le giveaway pour la Romero Box Game of Thrones. En même temps, on va lancer un petit jeu. Bon, ne tardons plus. Sancho n'est pas là. On est vraiment à la bonne franquette. Donc, c'est pour l'unboxing de la Marvel Collector's Curb Guardians of the Galaxy Volume 2. On peut voir Groot, bébé Groot sur le dessus. Je sais vraiment pas à quoi m'attendre de cette boîte là. J'ai vu tous les pops sortir. Il y a peut-être juste Yondu que j'ai pas vu avec sa nouvelle crête, mais tout le reste, même des personnages qu'on n'avait jamais vus, tels que Ego, Taserface, sont tous sortis. Donc, j'ai essayé de m'abstenir de voir le moins possible le contenu de la boîte. Je voulais vraiment avoir la surprise avec vous, la partager avec vous. Donc, ne tardons plus. Guardians of the Galaxy Volume 2. Voyons voir ce qu'il nous réserve. Donc, je vais vous montrer le patch et le pins en premier. Donc, mon patch était en train de sortir. On peut voir le visage de Star-Lord. Il n'y a vraiment pas de lumière ici. Star-Lord, voilà, très très bien. Oui. Et le pins Gamora. Waouh, ok. Très très bien. Très très bien. D'accord, on continue. On va ouvrir, je vous montre à l'avance. Qu'est-ce qu'il y a? Le récap est fait. Oh non, le comic. Je vous montre. Voilà. Donc, ah ouais, il y avait le récap est fait. Donc, je vous montre. Voilà, il y a le comics dessus. Donc, nous allons commencer avec les comics. Oh, Secret Empire. Très très bien. On dirait des dessins animés. Donc, volume 0. Donc, ça serait avant le premier. Secret Empire. Très très bien. On va Rocket Raccoon avec Groot. Très très bien. Oui, le comics, ça fait toujours plaisir. On continue. Bon, le t-shirt. C'est un t-shirt noir avec un design mauve et rouge. Où est-ce qu'on peut voir tous les gardiens de la galaxie avec Mantis, Yondu, Rocket Raccoon, Groot, Baby Groot, Drax, Star-Lord et Gamora. Très très bien. D'accord, on continue. On dirait qu'il reste deux boîtes. La pop est la plus petite d'entre elles. Voilà. Donc, ok. Intéressant. D'accord. En fait, c'est Rocket Raccoon avec ses deux pistolets et avec Baby Groot sur sa tête. Ouais. Pourquoi pas?
En fait, c'est un peu dommage parce que j'avais déjà acheté une pop de Rocket Raccoon de volume 2, celui avec les propulseurs, avec le jetpack, où est-ce qu'il s'élève. Mais bon, c'est, ouais, pourquoi pas, ouais, avec Baby Groot sur sa tête, il a l'air de Bobblehead aussi. Donc, on y va. Oh, Endorbs Rides. Donc, la boîte est vide. Côté. Endorbs Rides. Dégagez dans l'exit 2 pour voir Star-Lord avec le Milano. Il est de toute beauté. Ouais. Très très bien. Donc, c'est sûr que vous allez les voir tourner ici à ma droite à mesure qu'on les voit. Mais pour l'instant, je les sors pas, c'est un peu. Mais oui, bon. Donc, oui, je comprends que le tour prenne beaucoup de place. Une boîte qui me laisse pas sur ma faim, parce que le Dorf me remplit pleinement, mais je suis assez partagé, mettons, sur cette box-ci. J'adore le t-shirt, on peut voir tous les personnages. C'est mieux que le foulard qu'on avait eu la dernière fois. Je peux pas m'empêcher de la comparer à ce qu'on avait eu la dernière fois. Donc très très bien, ça me fait penser un peu au t-shirt Star Wars, parce qu'on a tous les personnages. C'est très très bien, j'aime ça. Un comic, ça fait toujours plaisir. Secret Empire, par contre, ça me dit rien. Mais vu que c'est le volume 0, ça m'intéresse. Patch et Lapin sont corrects. Le Gorbs, j'adore, surtout avec le Milano. Par contre, c'est vraiment la pop. Je m'attendais vraiment à plus. En fait, je ne savais pas à quoi m'attendre, mais peut-être le méchant du film, peut-être. Je sais pas. Mais en fait, un Rocket Raccoon. Le souci, c'est ma limite d'un personnage, un pop par personnage par série. J'en ai déjà deux. Rocket Raccoon, j'ai le Flocked du premier film, exclusif à la Comic-Con de San Diego. Et là, celui avec les propulseurs. Et maintenant, j'ai lui. Alors que Groot, j'ai Groot Glow in the Dark de la Loot Crate. Et Baby Groot, exclusif au Walmart avec le jumpsuit. Donc, je m'attendais vraiment peut-être à autre chose. C'est la pop qui me laisse un peu sur ma faim. Mais sinon, une assez bonne boîte quand même. Pour ceux en fait qui n'ont pas de pop Rocket Raccoon, ils vont être ravis. Personnellement, ce qui me plaît le plus, c'est la Dorbs. Mais je veux savoir, vous, dites-nous là dans les commentaires, ça m'intéresse. Quel est l'article que vous avez le plus préféré? Et pour dans 2 mois, on aura Spider-Man Homecoming. J'ai aucune idée, j'ai une pop en tête qu'on a vu leaker. C'était Tony Stark avec le masque d'Iron Man dans ses mains. Ça se pourrait que ce soit celui-là. Je vais le mettre ici pour que vous voyez. Si c'est lui, je vais être déçu. Je voudrais peut-être, je sais pas, le méchant du film, Vulture. Mais il est déjà sorti en 2 versions, le normal, le Glow in the Dark. Je sais pas, je sais pas. Mais dites-moi, vous, dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez que la pop sera pour le mois prochain? On va parler là-dessus. Et maintenant, parlons Romero Box, Game of Thrones. C'est 2 licences complètement différentes. Mais c'est la boîte qu'on va faire tirer vers la fin du mois.
Avec le déménagement, je peux pas vous garantir le 25. Les jeux, ça se peut que ça soit un peu plus au ralenti, mais faites-moi patience, donnez-moi une chance, vous inquiétez pas. Le joueur n'aura pas passé avant que la boîte sera tirée. Donc, pour vous inscrire, ça va être simple. Simplement, vous prendre un screenshot ou en photo avec l'article que vous avez préféré. Par exemple, si c'est la pop, au moment où j'ai montré la pop, je peux vous voir. Soit si vous êtes sur votre tablette, vous montrez à la caméra. Mais je veux vous voir. Montrez-vous avec l'article que vous avez préféré le souvenir, si c'était la drôle, même chose pendant qu'elle était montrée. Je veux vous voir et simplement partager, prendre en photo, vous rendre sur le groupe Romero Box, poster la photo sous le poste approprié en disant je veux participer à la Romero Box Game of Thrones ou je m'inscris simplement. Et c'est tout. Moi, je vais accepter les inscriptions. Je vais vous donner, mettons, je vais être généreux puisque je suis en déménagement, mais je vais vous donner un bon 7 jours, voilà, pour vous inscrire. Et ensuite, nous commencerons les petits jeux. Il y a aussi des articles qui me manquent pour la boxe, donc j'essaie de repousser un peu pour me donner une chance dans mes temps libres d'aller les chercher. Mais c'est aussi simple que ça. Donc, et encore une fois, si vous avez aimé ce que vous avez regardé, lâchez un pouce bleu, souscrivez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et comme à l'habitude, merci d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine. Aussi, j'ai été approché par Dollar à Print, mon ami Dave Maltais, qui s'est offert à nous faire un design pour nos box. Et là, tout d'un coup, je me demande si Romero Box est un nom assez approprié pour nos boîtes, nos giveaways. Puisqu'il existe déjà un produit sous ce nom-là, je vous le montre. Rendez-vous sur Romero Box. Je vais créer un sondage sur différents noms que je pourrais avoir, que je pourrais avoir trouvé pour remplacer le nom de Romero Box. Bien sûr, Romero Box sera partie de cela. Et simplement voter. Je vous demande de voter pour le nom que vous préférez. Si vous avez une meilleure idée, je vais laisser la chance de l'inclure. Et votez pour le nom qui vous plaira le plus, le nom qui viendra remplacer Romero Box au final. Et voilà, c'est ça. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous en pensez. Je veux que ce soit un nom qui plaise à tout le monde et qui, voilà, représente bien ce qu'on fait en fait sur Romero Box. Donc, allez-y sur Romero Box.